Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je me lance. Je vais tenter de faire un petit tuto. Enfin bon, je ne vais pas me mettre à la place d'un pro, mais enfin bon, c'est un petit maquillage que j'ai fait ce matin et je voulais... pour commencer, je vais faire simple. Hein, voilà. Donc, c'est dans les tons bruns, dorés. Voilà. Donc, eh ben, je vais faire devant vous l'autre œil. Voilà. Donc, j'ai déjà mis la base hein, avant de mettre le fard. Donc, je vais commencer par faire le coin externe, le petit angle là. Le petit coin. Donc, je vais employer... Pardon, le ceci, un pinceau de chez ELF. Hein. Je vais prendre sur cette palette-ci, je vais prendre ce brun-ci. Voilà. Et je vais faire, j'espère que vous allez voir le coin. Ceci. Et alors je vais dans le creux. C'est parfait ce petit pinceau pour faire le creux. Je n'hésite pas à reprendre parce que bon, ils sont bien assez forts, mais. Je crois qu'ils sont pas trop pigmentés. Et voilà, je tombe un petit peu. Par la même occasion, je tire un peu ici sous le sur la paupière. Inférieure au ras des cils. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais prendre avec un pinceau plat. Ici, c'est un pinceau plat de chez Essence. Voilà. Alors, je vais venir prendre sur ma palette ici Body Collection. Le celui-ci, oups, toujours un souci avec la caméra. Voilà, ce doré un peu, brun doré. Voilà. Voilà. Et je tapote. Voilà. Bien au ras des cils. Alors je prends mon petit pinceau pardon, estompeur aussi de chez Essence. Voilà, et je vais un petit peu estomper, flouter les bords.
Essayez de fondre un petit peu, se dorer si vous voulez avec le brun. Pas hésiter à reprendre un petit peu s'il y a un peu moins d'intensité au niveau du brun. Pareil avec ce doré. Je vais un petit peu plus en mettre de ce doré. Vraiment bien le refaire ressortir. C'est lui que je vais faire ressortir en fait. Voilà, avec mon petit pinceau. Ici, je vais reprendre du doré là. Et alors, je vais venir le mettre au ras des cils ici. Et essayer d'aller estomper un peu avec le brun que j'avais mis là-bas. Voilà. Alors, avec un autre pinceau plat, ici c'est Barbara Hoffman, très bon pinceau, franchement. J'ai pris ce blanc ici, ce blanc bien lumineux, ici, de la palette toujours Body Collection, pour faire un petit peu ici au niveau de la touche lumière sous le sourcil. Je vais un peu estomper avec le brun. J'espère que vous voyez bien. Peut-être comme ceci, peut-être mieux. Excusez-moi, mais comme c'est la première fois, je suis un tout petit peu anxieuse et je ne vois pas très bien si je fais les choses correctement. Et alors je mets un petit peu de ce blanc dans le coin. Vraiment très légèrement. Hein. Voilà. Voilà. Alors, avec toujours mon petit pinceau d'angle, celui-ci. Je vais venir prendre le noir le plus foncé que j'ai. Donc c'est toujours dans ma palette Body Collection. C'est ce noir-ci. Voilà. Et je vais venir mettre ça. Ce noir tout au long le ras des ras des cils, au ras des cils.
Voilà, excusez-moi, mais je suis légèrement enrhumée, donc j'ai toujours le nez qui coule. Enfin, enrhumée, je peux te dire que ce sont des... Je suis une personne allergique, donc voilà. Et souvent, comme on dit, la goutte au nez. Voilà. Et alors, avec ce qui me reste de mon pinceau, je vais venir mettre ici aussi 13 au ras des cils à la paupière inférieure. Je vais pas jusqu'au bout. Hein. Et avec mon petit pinceau floufloute, floufloute, j'appelle floufloute, mais c'est ce pinceau donc pour estomper. Donc je viens estomper un petit peu ici sous le. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre sur la. Oups. Sur la muqueuse, je vais mettre ce crayon noir ici. Voilà, je vais le mettre dans la muqueuse. Voilà. Alors, je vais recourber les cils. Et je vais mettre mon mascara clinique, n'est-ce pas? Eye Impact Mascara. Voilà. Voilà, une deuxième couche, moi j'aime bien une deuxième couche. Voilà. Les deux yeux. Voilà le petit maquillage aujourd'hui. Alors, bon, pour le teint, je vais encore mettre mon rouge à lèvres. Ça, j'ai pas encore fait. Donc, je vais prendre, comme les yeux sont assez voyants, je vais employer ce rouge à lèvres ici. Il est très rose, hein, un peu rose Barbie comme ça, mais très léger. Et vous voyez, je l'aime bien parce que là j'arrive à la fin. Hein. Donc, je vais mettre. Voilà.
Et par-dessus, je vais mettre ceci, ce gloss de chez ELF. C'est Liquid Lipstick Lucius. Voilà, ça marche. Vous tournez comme ceci. Et voilà, et ça sort. Hein, je vais mettre sur les lèvres. Voilà. Voilà le look du jour, n'est-ce pas? J'espère que ça vous plaît. Voilà. Alors, pour le teint, donc j'ai employé aujourd'hui mon fond de teint ELF SPF 15. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai un peu le foutoir, je veux dire. Pour les anti-cernes. Celui-ci, anti-cernes, le de Maybelline. Hein. Toujours ici au niveau du nez et tout ça, je mets mon correcteur ici. Alors, ma poudre sous les yeux. Toujours ma poudre translucide. Voilà. Le crayon de chez L'Oréal de pour le sourcil. Comme base cette fois-ci pour les paupières, donc c'est ceci, hein, c'est de chez ELF. Vous avez le côté correcteur et de l'autre côté l'highlighter, hein. Mais moi je l'emploie comme base parfois, ça arrive. Voilà, alors comme blush. Le même qu'hier, donc je le trouve beau ici. Celui-ci. J'ai évidemment mis un peu de bronzer. Celui-ci de chez Emma, il est très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des paillettes dorées comme ça. Je trouve très beau. Ceci. Et alors, donc là. La poudre de chez Bourjois, toujours la même. Voilà. Eh bien voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il va donner quelque chose. Sinon, ben, je recommencerai une autre fois. Et alors, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!